Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Priya. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre jeu The Last of Us. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Très heureuse de vous retrouver sur ce live. Surtout sur ce jeu que j'adore. Salut mon Ludo, salut Johan. Je vais ouvrir le Discord pour la populace qui veut venir avec moi sur le live. On est bon, ça c'est prêt. Et voilà, merci beaucoup, Joanne, pour le partage. C'est gentil, c'est adorable. Merci. Merci à toi. Salut Jean-Jacques. Coucou Jean-Louis. Merci, c'est gentil Jean-Jacques. Donc on s'était laissé, on était dans la bibliothèque. Et on va continuer un peu eh bien, notre périple de la bibliothèque. Donc j'ai réussi à avoir les armes en illimité. Donc j'ai mis toutes mes armes en illimité comme... Attendez. Voilà, j'ai tout en illimité à la base, je peux tout avoir. Ben j'avais tout en illimité, je sais pas pourquoi j'ai pris en illimité. J'avais tout en illimité à la base. Hein. C'est chelou. Donc normalement, tu fais... je dois changer alors. Tu fais que j'ai tout en illimité. Ouais, c'est bon au niveau de la... J'ai mis ma difficulté en mode... normal. Fais voir, peut-être qu'il faut que je refasse les bonus. C'est chelou, j'ai tout acheté déjà. Fais de ma gueule quoi. Voilà. Non, toucher mortel, non, parce que ça serait un peu trop facile. Donc voilà, comme ça, j'ai tout, tout, tout en illimité, sauf que je me suis remis en mode normal, difficile, quoi. Pour pas que ça soit trop facile non plus. Ça va et toi, mon petit Ludo? Donc de base, voilà, je vais pouvoir tout refaire. Et donc je me suis augmenté la difficulté parce qu'en mode facile, c'était un peu trop facile. Avec tout en illimité. Si je vois que le mode normal, il est facile, il est assez facile, je me mettrai en mode difficile. Pour l'instant, je monte d'un degré. Je monte au fur et à mesure d'un degré et je verrai par la suite au niveau du jeu comment ça se passe. Après les armes, je n'ai pas d'armes illimitées, j'ai uniquement les munitions en illimité. Donc les armes, ben, c'est que ce que j'ai là. Donc, on va quand même bien sûr regarder. Salut Romain, comment ça Quelqu'un a va? tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu Bah, vois un moyen d'entrer? pas plus que ça, on n'est même pas sûr, hein, meuf. Pourquoi ça serait un squatteur? Ça va, petit Pascal? On Oui, dirait que son je l'ai père déjà Nate fait, The s'est Last of enfermé Us. ici. Le 2, je l'ai déjà terminé, oui. Ok. Ok. C'est quoi tout ça? Ça, c'est bon. Tous ces trucs électroniques, c'est forcément à Eugène. Bon, je sais que le T'es reste, c'est sûr? pas très grave si je Ouais, récupère pas. personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais je crois que pour faire augmenter au niveau des précisions et tout, je pense que j'ai besoin. Attends, 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 attends. Oh, là, là. Merci, c'est gentil, Jean-Louis. Voilà, oui, d'où les Ouais, illimités. c'est bien la planque de gêne. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Bah toi aussi t'es fidèle Bon. abonné, mon petit Johan. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. Trois soldats sont morts. Et deux civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Alors... Petite carte, merci beaucoup Jean-Jacques pour les étoiles, c'est gentil, bienvenue. C'est très gentil, merci beaucoup. Mmh.
petite PlayStation. Ah, voilà. Oh, putain. Ah bah non, toujours pas. C'est Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébé. Voilà, récupère, récupère. Et radiateur. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. Ok. Je t'en supplie, rentre à la maison. Si les Lucioles veulent sauver le monde, eh bien, laisse-les faire. Laisse-les s'attaquer à l'armée et aux politiciens. Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait, ils réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. Les Lucioles s'en sortiront sans toi, mais pas elle. Elle n'arrête pas de me demander quand tu vas rentrer. Je n'ai plus la force de lui mentir. Tu me manques, mais je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison, s'il te plaît. C'est la merde! Ok, le générateur doit être par là, non? Ouais, c'est ça. Hey, j'ai trouvé le générateur. Ah, voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc. Ah, mais je peux pas encore. Ah, bah oui, il faut que j'active le génie. Au vocal, tu veux, tu peux venir au vocal, il est ouvert, il n'y a aucun souci. Pas mal, ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Croyez que j'ai le truc illimité aussi pour. Ouais. Oh, c'est la bombe. Oh non. En fait, j'ai tout. Mes deux armes, elles sont augmentées à bloc. Vois. Ah non. C'était trop beau pour être vrai. Alors, ajouter un magasin pour augmenter la vitesse de rechargement et stock de munitions. Ouais, ça. Pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'il faut que je fasse ça d'abord. Toujours. Ah, mais non, alors c'est ça. Alors, je les ai toutes je les ai toutes améliorées. Ah, bah oui, c'est bon. Non, oui. La dernière fois, j'étais affectée sur la tête. Et puis là, c'est descendu dans le cou, maintenant. C'est la merde. Je pensais que j'étais en train de guérir, parce que tout le haut était redevenu un peu normal, mais en fait, pas du tout. Je suis en train de crever. Coucou, toi. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre? Pas ici. Salut Alex, comment ça va? Aide-moi. Tada! Qu'est-ce qu'il cachait en bas? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séché. C'était son petit endroit, sa petite cargaison. Eh, il a des cassettes vidéo. Du loup. Smash, brandy, scooch. C'est... du porno. J'en avais des goûts spéciaux. Tu as vu comme je suis belle, Alex? Ah, c'est trop la classe. Ah. On va se faire un petit bong. Ah non, c'est un masque. Dina. Oh non, non. C'est un bang masque à gaz. Oh, il était vraiment pas con. Il était perché, ouais, le mec. Tu vas m'aider avec le pompe? Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? T'as super, merci.
On va voir. Merci Nico pour le partage. J'espère que ça va. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue. C'est... Ouais. Oh, et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi, je l'ai ouvert. Merci Memphis pour le ça follow, bienvenue à toi. Tu sais, on va rester coincé un moment. Merci beaucoup Alex pour le partage. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Ah. Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? 6, oh, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. Ah bah voilà, ça y est. La guitare. Ah. On est de nouveau la jeune meuf. Super désaffecté. Thank you.
sais même pas où je vais, moi. C'est le bordel ici, du moins, mais... Ok, ok. Elle saute! Pas le délire. Je comprends pas, parce que la barre de fer, normalement, c'est avec L2, non? R2, non? Appuyez. Hein. Ah non. Pas du tout. Y a pas la vis automatique là. Je vais t'aider. Reste à côté de nous. Où est-ce qu'on va? C'est par là. Allez. Il est partout. Surtout ralentis pas.
c'est Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusqu'à là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez! C'était le bordel! Il y avait mes cousins! Hello, mes cousins! Il y avait mes cousins, ils étaient tous là. Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Jessie? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord? Tout va bien? Non, attends deux minutes. Hé, hey, retourne-toi, bordel, qu'est-ce que tu Putain, fous? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors! C'est de la weed? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Ellie? Sans se faire remplacer. Pas super sereine. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ok. Merci Aurélien pour le partage. Comment ça va? Coucou ma petite Claire, ça va? Merci, c'est gentil déjà de passer. Claire pour le maquillage, j'avais pas fini de tout lire. Allez, tous à l'intérieur. Tu nous as fait peur. Je sais. Vous allez bien? Ça va.
Merci. Ouais. Hey, on peut parler une seconde ? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux ? Non, alors, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça ? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité ? Et où t'étais passé, merde ? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ce type ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier. Hier ? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien, faites passer. Et vous ? Vous habitez par Merci, ici ? Merci, Nico ! Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire... T'inquiète, ça va, merci Céline d'être passée. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on connaît. Nora, c'est bon. Il est HS. Mettez-le contre la vitre. Tommy ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Joël Miller. T'es qui, toi ? Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez. T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite ? Maintenant que je connais le 1, c'est beaucoup plus prenant là. Parce qu'à l'époque, j'avais fait le 2 en premier et le 1 après. Donc ça m'avait pas vraiment touché ce qui se passait en soi. Oui, ça fait de la peine pour le gars et tout, mais entre guillemets, ça m'avait pas vraiment touché, tu vois. Mais là, maintenant que je connais Joël et tout, là, ça fait vraiment de la peine. C'est pas super. Je suis pas très heureuse de voir ça. Pas du tout. Ne dira rien. Tommy ! Ellie, elle va venir à la rescousse. On va buter tout le monde, bande de connards. Ou pas. T'es vivant. T'es vivant. Je peux pas passer par là ? Non, je peux passer par le trou. Là. Non. Voilà. Si j'appuie pas sur le bon. Joël ? Tommy ? D'où est-ce que ça vient ? Joël ?
C'est où déjà? Merde. Bordel. Je vois pas tout ça. Je sais que ça vient. Il y a une porte pour aller en bas. C'est peut-être après la cuisine. Ouais, c'est ça. Coincez-la! Lâchez-moi! Vite, ses mains! Lâchez-moi, putain! Salope! Arrête! Hey, arrête, ça suffit! Ok! Lâche-moi! Toi, je vais te crever! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le! C'est qui, ça? Elle s'est infiltrée! Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait! Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël! Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Je veux pas voir ça. Pitié, non, je veux pas. Joël, allez, lève-toi. Non. Va au diable. Je te fais pitié. Trop tard, ouais. C'est horrible. Ellie. Ellie. Je suis désolée. Jesse. Ils sont en bas. Non. C'est horrible. Il savait pas. Après, il a compris. Il lui a dit, fais ce que t'as à faire. Il sait pourquoi elle est venue. Maintenant, à vous de savoir pourquoi elle est venue. Pour les personnes qui n'ont pas fait le jeu. Salut. Merci beaucoup Aurélien pour les étoiles. C'est adorable, merci. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Merci Adrien pour le follow, bienvenue à toi. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça.
C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde. D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Tu sais quoi? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok? Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. C'est horrible. J'ai la morve au nez comme dans Zelda. Des bugs sur le live, les amis, ou pas? C'est que mon ordi. Je voudrais passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. Ça va, ok, nickel. Là. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. Pensez tout. Ça va, nickel alors, merci. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est, pour qu'on puisse s'éclipser. Salut Victor! Thank you.
En train d'essayer de gérer la webcam en même temps qui pète les plombs. Hein. Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. C'est horrible, notre Joël. On l'aimait tellement, notre Joël. Maintenant, je comprends mieux tout le monde. Quand il est décédé, là, pourquoi tout le monde était si attristé. Ben oui, parce que moi, maintenant que j'ai fait le 1, moi, je me suis attachée à Joël. C'était mon personnage. Je jouais avec lui, moi. Et c'est la guitare qu'il nous faisait. Il faisait une guitare. Il y a marqué quoi, en fait? Les promesses faites à la nuit tombée, je les tiendrai comme les autres. On va récupérer ce qu'il y a récupéré. Voilà, c'est ça. Hop. C'est trop triste, c'est clair. Tout va bien? Descends, s'il te plaît. Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux, elle aussi s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Hmm? Ouais. À pied? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie. Salut, Ophélie. Rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Ça va, ma belle? Je suis super bien, moi, merci. Très bien. Alors partez. Pendant qu'il fait jour. Salut Pierre, comment ça va? Ça va super, merci. Joanne.
chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur? J'ai même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un? Tu parles désinfecté? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. 10 ans. Waouh. Et il s'est passé quoi? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardé. Putain. Tu m'as battu. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu plus là? Non, pas du tout. Mais fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi, ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF? Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Je sais pas si elle se doute déjà de qui ça peut être. Mais je crois pas encore. Ellie, des voitures. Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Bah déjà, il y a un arrêt de bus. Donc, c'est que ça veut dire ce que ça veut dire. Qui dit arrêt de bus dit ville. Voilà. Non, non, je me suis trompée. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Par contre, c'est à droite ou à gauche? Non, c'est dans l'autre sens. Je suis les panneaux. Mais je viens de voir une tour là-bas. Alors. Au début, je pense que ça va être assez calme quand même dans Seattle, si je me souviens bien. Il va y avoir quelques infectés, mais je crois pas que ce soit trop le baston. Il y a un autre passage. Reste avec Payette. Ouais. Payette, c'est pas des noms, ça. Nickel. C'est la meuf, c'est les 4 ans, c'est la fin du monde, elle fait toujours sa collection de cartes, elle. Petite carte. Voilà. Ok. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça. Bon, attends, par où on va passer? Peut-être qu'il descend, Oui, il descend le mec. Ils sont sûrement bien bloqués. Oui, je sais. C'est bien ce qui me fait peur.
ça va être le bordel. On va tout défoncer. Tu as vraiment l'impression de regarder un film. Tellement beau le jeu. Waouh, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais. Fais gaffe en haut. WLF, les intrus seront abattus. Sympa comme accueil. On sait qu'on est au bon endroit. Où ils sont passés? S'ils ont pris la peine de mettre ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un moyen d'entrer. Alors, non. On a quoi là? Alors. Hop. Ah, les stades de désinfecter. Okay. Et là... Là, ce que je veux dire, là, c'est quoi? Bon, ça me sert à rien, mais bon. C'est pas grave, hein. On prend. Des cellules. Il y en avait aussi à Boston. Allez, monte, meuf. Dina, viens, aide-moi à grimper. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. Bonne idée. C'est encore quand même de mettre personne dans ce bled. C'est pour Kawasaki là, moi. Sauf une copine. C'était pas là du tout. Ou à moins que oui, c'était là. Parce que j'avais pas appuyé sur elle. Je vais bien. J'ai juste failli crever. Non, t'es morte, hein, meuf. T'es morte 2 minutes avant. On t'a juste fait ressusciter. Zou. Ah oui, c'est assez haut quand même. Mais moi je fais ça, je me pète tous les deux genoux là. T'inquiète pas. Alors. Ok. Porte principale. Ah, mais c'est les codes, ça.
Pour la grande opération qui se profile, Isaac veut récupérer toutes les dernières réserves du centre. Il récupère la base, c'est Revena. Ok, intéressant. Tout, on l'a fait ça ? Ouais. Ok. Ah, voilà le générateur. Allez. Go. Ça se voit que je l'ai fait le jeu. Ah, fais chier! Toi, ouais, c'est rien, t'es pris une petite décharge dans la gueule. Ellie! Par ici! Hé, tout va bien? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci. On croit en toi. Je crois en toi, meuf. Non, non, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut du jus. Moi j'y vais comme ça. Oh balle. Ça se voit que la meuf j'ai des balles limitées quand même. Je me fais plus chier. Ça sert à rien d'avoir ça en fait. Par contre ça, par contre voilà, il faut que j'améliore ça. Ça, ça s'améliore pas tout seul. Mode écoute et vitesse de déplacement. En mode écoute apparaissent plus nettement. Ah bah oui. Pourquoi je peux pas? Ah parce qu'il faut que je fasse ça d'abord. Ok. C'est bizarre pourquoi je peux pas les apprendre les trucs. Mais peut-être que parce que je les ai déjà appris en fait. Ah oui, celle-là, je les ai, mais c'est ça que j'ai pas. D'accord. Ok. Donc c'est les derniers trucs que j'ai pas en fait. Ou pas? J'ai rien pigé, j'ai tout à fond, Ludo, tu crois? Oui, Ophélie, je suis maquillée. Salut, JF. Ah, c'est gentil, JF, merci beaucoup. Tu crois que... Mais c'est bizarre, non? Ou peut-être qu'il faut que j'ai les livres pour pouvoir les acheter. Je pense que c'est ça. Ouais, je fais des trucs avec un arc, mais j'ai même pas d'arc. À qui? Comment ça se passe? On t'a ça ici. Maintenant que celui-là il est ouvert, je pense que là ça va être bon. Hein. Trop court. Je
Tu m'as arrêté pour une dinde ou quoi, mec? Ben, c'est pour le jeu en fait. Vu qu'on joue avec des zombies complètement défracassés, ben, je me suis dit que moi aussi, j'allais me maquiller pour l'occasion. Je sais pas si je, comme je disais, je sais pas si je vais le faire pour tous les lives. J'ai fait pour l'épisode 1 et 2. Donc en fait, si j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas le temps, ben, je fais pas, tu vois. Mais moi, si j'ai le temps pour ce jeu-là, je le fais. Et j'en fais un différent à chaque fois. Oui, c'est un Zoulou. Ah merde! On est où ici là? Porte principale. Alors. Porte principale 0512. Il y en a bien un qui marche. Pas ça? Ah, c'est que trois chiffres? C'est chelou ça! Alors, c'est peut-être pas la porte principale. De toute façon, ça doit être alors 13, 82, 53, 45, 61, 28. On va faire 1382. Ah mais il n'y a que trois chiffres. Ah non, c'est bon. C'est pas ça. Mais pourquoi tout à l'heure ça m'a pas marché? J'ai même pas eu le temps de faire l'autre. Ah, c'est parce que ça m'avait déjà mis celui de yes. Tout à l'heure. Ça m'avait pas annulé. Bien joué. Merde. Et heureusement qu'elle est passée. On a assez traîné dans le coin. Elle serait fait éclater comme une crêpe. Et maintenant? J'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. Ok. Alors, attends. Je ne crois pas, je pense que c'est beaucoup trop loin. Ouais, c'est beaucoup trop loin. Ça, c'est bon. Merde, regarde. Hôtel Cerevena. Ça doit être là. Ok. Trouver le moyen de franchir le portail Fuck Fedra. Très original. Fuck Fedra. Au moins, c'est clair. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Ouais, bah d'abord, je récupère des trucs. Parce que tout est bon à prendre quand même. 20,5. En raison des assauts répétés du WM sur nos lignes de ravitaillement, des attaques d'infectés et de la diffusion des spores, nous sommes encore dans l'incapacité de fournir des rations alimentaires prévues. Jusqu'à nouvel ordre, nous n'accueillons aucun réfugié. Préserver les réserves de nourriture, nous devons multiplier les arrestations et durcir les conditions. Les crimes de classe 2 sont désormais passibles d'expulsion. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ah bah putain, c'est un de ces bordels. Vous avez monté tout le monde contre vous. Sorry. Viens, petit cheval. C'est gentil, merci, Jean. Oh non.
Ah d'accord, faut que j'aille en face. Ah oui, il y a un code à mettre. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on fasse en sorte... Tu connais le code ? Il y en avait plein sur la note que j'ai trouvée. Mais il faut relancer le générateur du portail d'abord. Non, non. Et pour ça... Je pensais qu'il fallait aller là-bas. Ok. Salut Jean, comment ça va? Ah, plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, merde. La note. On va aller chercher de l'essence. D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Parking du tribunal et le dôme. Bon, comment on fait pour y aller? On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici? J'en suis sûre. Bon, où est-ce qu'on est? Ok, on est dans Seattle. Qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Ouh. Ok. Ok. Alors... Là-bas, on va plutôt aller de ce côté-là. Il s'est passé quoi ici? Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville envahies par les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme... D'habitude, c'est efficace. Les infectés contre les rebelles? Les deux. Les deux. Merde. Crois-moi. T'as eu de la chance de pas grandir en zone de camp. Ouais, je vois ça. Alors on va essayer d'explorer quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas si je peux passer par là-bas. Je me demande ce qui serait arrivé si j'étais restée. Je serais probablement devenue un de ces foutus soldats. Impossible. Je te vois pas obéir aux ordres de quelqu'un. C'est pas faux. Honnêtement, je pensais que la zone de quarantaine... Je pense pas que je puisse passer là. Déserte. Ouais. Tranquille, on passe. Salut René, bienvenue. Combien de WLF t'as pour toi? Ben, moins 8. Hé, je crois que j'ai trouvé le tribunal. Comment tu le sais? Tu vois pas l'inscription? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Où ça? Ah, effectivement. Bien vu, Sherlock. Courthouse. Ah oui, mais cet endroit sur la carte. Alors... On va rentrer dans le tribunal. Je sais ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. On est où nous? On est là? Alors là, je pense que c'est... Ça me ramène en bas. Là, ça me ramène en bas aussi. T'as entendu? J'ai entendu. Désinfecté. On vient du tribunal. Ouais.
Je pense qu'il va falloir qu'on ait en face. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ou pas. Attends, on va aller checker là. Ouais. Derek a eu des problèmes avec une fenêtre cassée la semaine dernière. Ce camp aurait perdu sa jambe si on ne l'avait pas amené vite fait au service. J'ai délaissé du matériel à divers endroits du centre-ville pour de futurs cas d'urgence. Jambes cassées, infection, conneries. Ok. Tu veux bien ravitailler la planque de poste. Ok, la porte n'a pas été ouverte depuis des années, mais le code est toujours celui de West 2. Ok. Mais après, ça, c'est des trucs qui me servent un peu à rien du fait que j'ai les trucs illimités. Donc, ça, c'est pas très grave si je les prends pas ou quoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, combien ils sont ? Ok. Ok, c'est tout? J'entends rien. Allons trouver de l'essence maintenant. Ouais. Je me demande comment c'était de faire partie d'un jury. Ça devait être marrant. On s'asseyait, on examinait l'épreuve, on essayait de savoir si quelqu'un mentait. Tour de sortie, pas bon. Ça, il suffit de 5 minutes d'un couteau. Et je sais direct si quelqu'un ment ou pas. Oh, wow, ok. Ça, faudra que je dise. Ah, de corps à corps, faudra que je le fasse. On est bon. Bon, par contre, je pense qu'on va pouvoir peut-être mettre le jeu en mode difficile à certains trucs. Parce que moi, je mets pas le mode difficile partout. En ajoutant les paramètres sur... Ah, ça, c'était pas très facile, mais je l'ai mis en normal. Quantité de dégâts subis. Ah oui, je vais rester en facile pour les dégâts subis. Comme ça, je crève pas d'un coup. Pour les ennemis. Alors, les ennemis, on va passer en difficile. On va passer en facile. Ça, je reste. Ah, je vais devoir refaire. Ah, merde. Oh, merde. Dommage. Ah. Parce que même avec des trucs illimités, je suis capable de me prendre deux coups dans la gueule et de crever. Okay.
Ok. Il y en avait plus que tout à l'heure, non? C'est tout. Ah, mais peut-être parce que je suis passée en mode difficile, c'est pour ça qu'il y en avait plus. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Je me demande comment c'était de faire partie d'un jury. Ça devait être... Bon, je vais pas mettre le mode survie, faut pas exagérer. Déjà, les ennemis en mode difficile, c'est bien. Pour ça, il me suffit de 5 minutes d'un couteau. Donc, ils seront un peu plus compliqués à buter et je trouve qu'avec les armes illimitées et tout, ça reste faisable. J'ai jamais fait un jeu en mode difficile à part les Zelda. C'est la première fois que je fais un jeu en mode difficile, donc bon. Donc bon, personnellement, je garantis pas. C'est pour ça que j'ai gardé par contre le fait que si les ennemis me touchent, je reste en mode super facile pour éviter de crever en un seul coup, quoi. Tu vois. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir la possibilité de me taper peut-être 2 ou 3 fois avant que je crève. Bon, à part quand je me fais mordre direct, là je me recache. Hein. Mais je pense qu'au niveau des coups, ou tu vois, quand c'est les infectés classiques qui me tombent dessus, j'ai un peu plus de facilité. Parce que ça, par contre, ça serait un peu trop difficile pour moi. Tu m'aides ? J'arrive. Tout en difficile ? Non, j'arriverai pas là. C'est pas possible, René. Déjà, mettre les ennemis en mode difficile, c'est déjà pas mal. Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Ok. Donc là, ça sera vraiment la première fois que je le fais, que je fais un jeu en mode difficile. Mais bon. C'est aussi, à la base, tu peux le faire parce que je suis quand même en mode illimité, quoi, au niveau armes et tout. On y trouvera de l'essence. Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. Ouais, bah attends, meuf, d'abord. Parce que même si j'ai des trucs en illimité, il y a certaines choses que j'ai besoin de trouver. Comme les codes pour les coffres et des trucs comme ça, quoi. Très sympathique ici. Alors, Dominique va gagner. La ville va bientôt tomber. Et si tu ne quittes pas la Fedra, je ne pourrai pas te protéger. Jusqu'à récemment, je pouvais comprendre que tu restes avec eux. Mais après le massacre du marché, je ne vois pas comment vous pouvez encore nous qualifier d'assassins aveugles. Ces personnes essayaient simplement de nourrir leur famille et aujourd'hui vous commencez à exclure des gens pour rébellion. C'est les condamner à mort. Écoute, il n'est pas trop tard, je me porterai garante pour toi. Retrouve-moi à Ruston à 2h vendredi. Viens seul, je t'en prie. Je sais que ça fait peur, mais c'est la seule façon. Ben, il est jamais venu. C'était mérité, je suppose. Ils se sont fait cramoisir, les mecs. Je me suis un peu trompée. Je me suis légèrement trompée. Désolée. Je voulais utiliser l'autre. C'est quoi? Alors, les personnes suivantes sont les cibles prioritaires de toute opération antiterroriste. Ok. Ça peut être utile. Une petite machette. Sympathique. Le commandant de la Fedra, zone de quarantaine. Ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Ils se sont fait surprendre par le WLF et essayer de s'enfuir. Ils sont combien pour être capables de vaincre l'armée? Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Ouais, faisons pas de conneries. Ouais, ok, Jessie. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut me mettre ce code-là sur le... sur les commentaires, s'il vous plaît, les amis. 86-07-22. Merci.
Ah bah non, c'est bon. Pas la peine. Merci, Mylène. C'était là, en fait. Ah, non, c'est parce que ouais, j'ai les yeux qui se collent avec le maquillage et tout. C'est quoi que j'ai récupéré? Attends, on refait mes petits cocktails Molotov, c'est mes copains. Allez, on se tue. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. Go. Attention. Titanic. Il y a un moustique là qui me tourne autour. Dégage. Salut Paul. Merde. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ces types de la Fedra n'ont même pas de parfum. Bordel. On n'a plus qu'à trouver l'essence. Ouais. Non, attends, on va retourner. Alors, c'est pas là. J'adore mon arme. Elle est trop bien. Ce passage, il me fait penser à Resident Evil 2. Voilà l'essence. Oh, c'est pas vrai. C'est vide. Sérieuse? C'est trop beau pour être vrai, mais enfin, je crois quoi? Non, y a plus rien. Bon, reste toujours le dôme. Et maintenant, comment on fait pour sortir d'ici? Oh. Dina, j'arrive. Comme ça. Jouer, Dina. Merci. Bon, tu peux rayer le tribunal de la liste. Allons chercher ce dôme. Il vaudrait mieux trouver plus. Le fusil à pompe, il est top quand ils sont proche de nous, tu sais. Mais s'ils sont trop loin, le fusil à pompe, il est pas top. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. Oui, j'ai mal à l'œil. Je pense que c'est le maquillage parce que je suis pas habituée à me maquiller et tout. Tu sais, moi j'ai mis du noir et tout dans les yeux et je pense que ça vient de là. On était toujours prêtes à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était l'horreur. L'arc, même toi, c'est pas normal, les oies. Non. Ouais,
Quand je suis arrivée pour la première fois à Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. Putain, mais pourquoi ça me fait ça au niveau du truc, là? J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûre de pas en manquer. Ouais, je t'ai vu. C'est pas vrai. Si, si, je te jure. Je sais même pas pourquoi ma webcam s'affiche ça. Qui nous volait toute notre viande. J'ai pas volé tant de viande que ça. Ellie, je crois que Payette est malade. Quoi? Comment tu le sais? Elle a une fièvre de cheval. Oh, quel est le con. Allez, c'est bon au niveau de la cam? Parce que moi, je sais que j'ai un gros bordel avec ma cam, là. Ah, ça y est, c'est bon. Parce que ça faisait tout bizarroïde. Non, est bueno. Je sais pas si elle... Là, pour l'instant, je les ai pas, les mitraillettes, mais je sais pas si elles vont l'avoir. Donc ça, on a fait tout là. Ici, on a fait... Alors, on va aller par là-bas. Alors, je vais mettre là. On ne sait pas des trucs à récupérer. Non, c'était ma webcam, tu sais, elle faisait des sortes de petits pigments sur les endroits clairs. Ah, oh, ça me fait chier. Alors, je vous avoue que la prochaine fois, je me maquille pas l'œil. Je ferai que le bas du cou la prochaine fois. C'est sûrement le magasin de musique. N'empêche, essaie d'imaginer cet endroit quand tout était intact. Il y en a des disques ici. The Sick Habit. The Sick Habit. Pareil. C'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. Style, tu sais. La truc, elle est totalement intacte. Ça vous dit quelque chose, cette musique? Merci Moussa pour le follow, bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu joues? C'est peut-être rien, mais c'est très joli. Tu te rappelles cette nuit près du feu? Ouais. Take me on.
La traduction, c'est pas ça du tout, les gars. C'est un truc de fou comme ils traduisent de la merde. T'aurais dû m'embrasser. J'en avais envie. Moi aussi. Allez, on se remet en route. Ouais. Eh bien les amis, sur cette belle cinématique, nous avons fini le live. Eh bien, j'espère voilà que le live vous a plu. Je me mets un peu plus près pour les personnes qui souhaitent voir le maquillage. Donc voilà, j'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas voilà à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner voilà pour les personnes qui souhaitent s'abonner. Vous avez les abonnements qui sont gratuits, qui vous donnent accès à tous les lives de la semaine. Et vous avez les lives, Vous avez aussi les abonnements à 4,99€ par mois qui vous donnent accès eh bien, au vocal. Vous avez la possibilité d'être sur le vocal tous les jours pendant mes lives. Vous pouvez aussi jouer avec moi en scoop. Donc en ce moment, on est en train de faire là lundi prochain. Donc demain, nous commençons Ghost of Tsushima mode légendaire avec notre cher Alex. Et ensuite, nous avons aussi Fall Guys vendredi. Il va y avoir normalement Claire, si elle est disponible, normalement c'est bon. On a Joanne avec nous, il va y avoir normalement Ludo. Et j'attends de voir une troisième personne, voilà. Parce que je crois que je peux inviter... Ah non, je peux inviter que trois personnes. Donc on est au complet. C'est bon, on est au complet si Ludo il est toujours dispo. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de gagner un jeu vidéo tous les deux mois par tirage au sort. Nous sommes 16 abonnés, à partir de 22 abonnés, ce sera un jeu vidéo par mois. Et une fois qu'on aura passé la barre des 42 abonnés, eh bien ce sera deux jeux vidéo à gagner tous les mois. Le gagnant, c'est notre cher Victor qui a gagné le jeu de son choix et il a choisi Horizon Forbidden West qui sort en février. Il le recevra à la maison. Voilà, je vous fais tout plein de très très gros bisous. On se donne rendez-vous demain avec notre petit Alex pour Ghost of Tsushima en mode légendaire. Passez une bonne journée les gars. Bye bye.